Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour les tirages sentimentaux que je vais terminer quand même pour le respect de tous les signes. Ce sera pour les Gémeaux en couple pour le mois de février 2021. Alors, je vais terminer ces signes qui n'ont pas de vue. Alors, je vais simplement faire les mois prochains tirage couple et célibataire ensemble. Voilà, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Bienvenue pour les Gémeaux. Les ascendants Gémeaux, Lune en Gémeaux, en couple. On va voir l'évolution de votre relation pour ce mois de février. Comment ça se passe? Vous soyez ensemble ou pas? Réconciliation, évolution, etc. Pause. Vous pouvez regarder le tirage du 2 février, bien sûr, où on parle de sentimental. Vous pouvez regarder le tirage du célibataire Gémeaux. Et puis celle d'aujourd'hui. Pour commencer, déjà, bienvenue sur ma chaîne, le Mystique Tarot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer ben, la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos. On parle de maison. Et puis, si vous désirez une question personnelle ou sentimentale, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vais regarder tout de suite les énergies pour... je vais prendre deux cartes ici du Line of Love pour les Gémeaux. Alors, ce sera Gémeaux en couple. J'ai une musique un peu chamanique derrière, si jamais c'est un petit peu spécial. Gémeaux, couple, février 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Donc, c'est vrai que comment dire, prévisions qui étaient dans le mois de février, les prévisions qui étaient en célibataire peuvent tout à fait correspondre, être déjà suffisantes. J'ai peut-être déjà parlé des couples dans le tirage, mais ça fait rien. Là, on est déjà un petit peu avancé dans le mois de février. Alors, on a deux bonnes cartes. On est soit dans une retrouvaille d'un engagement avec confiance. Donc, les choses ont avancé. En tout cas, votre relation ici, on nous dit une relation qui est déjà officielle hein, quand même. Fiancé ou marié ou pacsé, est sur de bonnes bases parce qu'on a la confiance et l'engagement. Donc, c'est ce qu'on me dit pour les énergies, ce qui est super. Gémeaux, on ne peut pas demander mieux pour le couple où il y aurait une demande d'engagement, il y a une bonne confiance, soit pour une nouvelle relation, soit pour votre ancienne relation. Il y a eu des difficultés, je le sais. Il faudra voir, je vais voir avec le tarot justement de Marseille ce qui me dit pour l'évolution du mois de février. Gémeaux en couple février 2021. Gémeaux en couple pour le mois de février 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va voir. On a déjà le soleil. Bon, on a des très bonnes cartes pour l'instant. Alors, je ne sais pas si la situation a évolué depuis les dernières fois ou il y a une nouvelle histoire, mais il y a quelque chose de positif qui se passe. Il y a une évolution en tout cas. On a le soleil. Donc, a priori, vous avez tout le potentiel, un peu comme ces cartes, pour que pour la relation de couple fonctionne bien. Le bonheur, le soleil est là maintenant, après peut-être. Des difficultés, bonheur dans le couple, bien-être, on s'entend bien, on est bien ensemble, on s'aime, tout se passe bien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, il y a une fin de relation, c'est ce que je pensais. Il me semblait bien, parce que je sais qu'il y a eu des difficultés, je sais qu'il y a eu des séparations, donc je pense qu'il y a ici la fin d'une histoire, et ça, c'est une nouvelle histoire. Il y a une nouvelle rencontre. Soyez triangulaire, pardon. Donc, n'hésitez pas à marquer en commentaire. Ce serait bien. C'est vraiment dommage d'avoir 200 vues. Moi, je suis, comme je l'ai dit, choquée. Bref. Parce que ça porterait sûrement beaucoup de choses, ces tirages, pour vous. On a une fin ici de relation. Je le sens. Je vous l'ai dit. Pour ça que maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous pour ce mois de février. Effectivement, vous avez envoyé balader avec le fou. Vous avez terminé une histoire pour recommencer à zéro.
Alors, est-ce que c'est la même histoire? Possible. On recommence, on pardonne, on s'engage, on retrouve le bonheur. Après des problèmes, il y a eu des difficultés, des séparations, je crois même. Ou il y a, avec le fou, j'envoie balader mon histoire, je repars à zéro, j'ai fini un cycle avec une personne, j'ai mis fin à quelque chose de négatif et je recommence à zéro. Et puis, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous avez vraiment la protection sur vous, ce qui est super positif. Donc, vous me mettez en commentaire si vous le voulez bien. Parce qu'il y a, comme je vous le dis tout le temps, des gens qui aiment mettre des commentaires, d'autres qui ne mettent pas de commentaires. Des filles qui répondent, des filles qui ne répondent pas. Moi, je réponds à tous les commentaires. Pour moi, c'est du respect. Et puis, je trouve que c'est bien d'avoir un échange. Je vous l'ai dit aussi. Alors, on va voir. Donc là, on a un bon mois. Hein. On a 19, 13, 17. La justice. Décision a été prise. Ok. Vous êtes un renouveau de votre relation qui était bancale ou vous êtes dans une nouvelle relation qui va très bien marcher. Je voulais vous montrer, j'ai pris hein, votre petite plaquette. Je les termine parce que comme ça, je fais pour tous les signes. On a cette carte, ces cartes-là pour vous. Et on va les couvrir quand même avec le petit Lenormand comme je l'ai fait pour voir un petit peu plus en détail ce qu'il y a eu. Est-ce que c'est une ancienne relation ou c'est une nouvelle? Alors, j'ai moi en couple février 2021. J'aimerais une carte supplémentaire sur le soleil. Quoi qu'il n'y a même pas besoin, mais on va voir. Carte supplémentaire sur le soleil pour les Gémeaux en couple pour février 2021. L'étoile à nouveau. Vous avez été guidé, vous êtes protégé. Soit votre couple est protégé, qu'il ne fallait pas que vous vous sépariez. Vous avez réussi à dépasser les épreuves. Soit on vous protège de quelque chose de négatif pour aller vers le meilleur. On va voir. Quelle carte sur la mort pour les Gémeaux en couple? Quelle carte? Je vais avoir un complément d'information sur la mort. Pour les Gémeaux en couple en février 2021. Gémeaux en couple en février 2021. Quel complément sur la mort? Le soleil. Ça a mis fin à une relation, ça a mis fin à un bonheur. Un bonheur. Comment expliquer ça? Le soleil en contre. Non, c'était une relation qui ne brillait plus. Une relation qui n'était plus vivante. Une relation qui était morte. Donc, c'est plutôt une ancienne relation que vous avez terminée. Est-ce que vous pouvez me le mettre en commentaire? Il y a un renouveau pour une nouvelle relation, à mon avis. Hein. Puis-je avoir une information sur le fou? Info sur le fou pour les Gémeaux en couple. Sur le fou pour les Gémeaux en couple pour février 2021. Ah, voilà, des fois je coupe. Voilà, vous avez coupé. Ah ouais, bon, vous avez mis fin à une relation, donc c'est ça. C'est pas la même. Ok. Vous voyez, on a des précisions. Hein. On a bien la coupure qui domine. Donc, pour les Gémeaux qui avaient normalement mis fin à une relation avec quelqu'un qui n'était pas bon pour vous, vous repartez sur une relation amoureuse positive pour ce mois de février. En tout cas, avec des très bonnes choses après une fin d'histoire ici. Et que j'aime beaucoup cette carte parce que c'est vraiment les cartes de la mort. Vous savez, des Égyptiens, des Mexicains. Mexique. On va voir ici pour l'étoile. Puis-je avoir un complément d'information sur l'étoile
pour les Gémeaux en couple. Ben, on nous dit que ça va vers le bonheur, vers le bien-être. Quelque chose de bon, de pur et de positif, un peu comme le soleil qui est ici. Ok, bon, vous avez du très bon. Je vais vous donner un conseil. C'est un petit tirage court, hein. Mais dommage, 200 vues. C'est comme je disais, je crois que j'en ai aucune sur YouTube qui a 200 vues. C'est soit j'en ris jaune... Ou soit il y a un souci, vous allez dire, ah, mais elle fait que de se plaindre. Vous feriez quoi, vous? Vous serez là, oui, oui, c'est bien, j'ai 200 vues. Normalement, j'en ai 1000, 1500, 2000. C'est sympa. Eh oui. Alors, un conseil pour les Gémeaux en couple, pour le mois de... Oui, l'équilibre. Eh bien, regardez dessous, qu'est-ce que c'est? La justice, c'est l'équilibre. La femme ici, Maat, c'est la déesse Maat que vous avez. Elle nous dit, la situation que vous êtes en train de vivre demande un équilibre et d'être juste. Elle est belle. Ça va bien avec la musique chamanique, mais je ne sais pas si elle va bien sortir cette musique. Regardez comme elle est magnifique. Avec sa plume... Elle porte la balance de l'équilibre. D'un côté, il y a la colombe. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Un papier, je ne sais pas ce que c'est. Donc, équilibre retrouvé pour les Gémeaux en couple. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Merci pour vos retours. Et voilà, je vous retrouve pour les tirages la semaine prochaine. À tout à l'heure, à bientôt. Au revoir.